suis depuis une année maintenant, une bonne année, qui a été opérée d'une tumeur du sein droit, qui a été diagnostiquée lors d'un contrôle biannuel de dépistage classique. À l'issue de cette opération, est survenue une complication cicatricielle qui a nécessité la pose d'une mèche et qui a eu pour conséquence aussi un petit épisode infectieux. Donc on a une bride cicatricielle qui entrave la mobilité de l'épaule et en même temps donc des adhérences cutanées importantes au niveau du sein. Donc on va commencer notre traitement avec la tête ergolift. Le but est d'assouplir la cicatrice, de lutter contre la fibrose cicatricielle et les adhérences cutanées en soulevant le tissu et en le mobilisant de façon à ce que la circulation se rétablisse et la souplesse tissulaire. Alors, le travail consiste d'abord à un travail périphérique, en périphérie de la cicatrice. Alors, comme là maintenant c'est une cicatrice qui commence à être ancienne, on va pouvoir l'aborder directement. Mais dans les premiers temps de post-opératoire, dans les trois premiers mois, le travail se fait simplement en péricicatricienne. Mais le battement des clapets de la tête ergolift permet une mobilisation à distance de la cicatrice, de la zone cicatricielle. Alors aujourd'hui, maintenant, comme on est bien au-delà des trois mois, on peut avoir un travail direct sur la cicatrice. C'est un travail qui n'est pas douloureux, qui apporte aussi beaucoup de détente, et localement, dans des zones qui sont souvent congestionnées, parfois émaciées. On a un sentiment vraiment de bien-être qui est immédiat, de relâchement tissulaire. Bien, donc deuxième étape de notre séance. Je vais utiliser maintenant la tête TR50 pour travailler toute la zone périphérique autour du sein droit. L'objectif est de travailler le tissu conjonctif qui a été parfois œdémacié et puis le tissu musculaire car on a des contractures musculaires qui ont entravé en début de traitement la mobilité de l'épaule et donc en complément des séances de thérapie manuelle, le traitement par la tête TR50 va donner beaucoup plus de souplesse et procurer une détente cutanée et musculaire donc qui va optimiser le traitement en thérapie manuelle. Je travaille les deux hémithorax. Pour redonner du lien entre les deux hémithorax. Donc, l'avantage du travail avec les TTPG, c'est que tous les paramètres sont réglables. Et donc on peut arriver à un réglage optimal en respectant le principe de la non-douleur qui est fondamental dans le travail que l'on effectue.